Salut à tous, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour une écoute que vous m'avez tous demandé, Repro 2 de Lacrim. Alors j'ai déjà fait une écoute sur Repro 1 de Lacrim, donc inutile de tergiverser, Repro 2 est la suite logique de Repro 1 que Lacrim a préparé dès qu'il a vu le franc succès de Repro 1er du nom. Il y a 14 titres, c'est parti, son numéro 1, Poutine. J'ai pensé je me la baie devant Calaf, parce que j'ai fait mes séchiers dans le mois. Elle n'a même pas eu ma queue cette salope. Elle dit même qu'elle a un gosse de messe. Fini la paresse, lâchez la laisse. Ils diront qu'ils nous ont jeté de la falaise. On est trop à l'aise, tu sais qu'on les baisse. Numéro 1 vend tous ses ramas. Pas mal. En fait, ça reprend bien là où le volume 1 s'est arrêté. Franchement, ça commence bien. Son numéro 2, Gustavo Gaviria. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, c'est du jack. J'prends le jet, une frappe 50. Sur la scène, j'fais mouiller des jalons. Ils sont malades, des bons là. J'suis petit, taille comme Nicolas. Je présente des fils de pute qui courent. Moi, je cours du dos. Il est lourd. Franchement, Lacrim, normalement, je suis pas trop fan, hein. Mais j'aime, en fait, j'aime bien son flow d'énervé. C'est pas mal du tout. Son numéro 3, j'ai mal. Un tel engagé, impossible de bouger quand le garrot m'attaché. Je voulais m'enfuir pour m'envoler, pour prendre de l'élan et tu finis par terre. Prison, j'ai mal, je garde. Ça, franchement, je suis pas trop fan du tout. Ça bouge pas, donc c'est pas un truc dansant. Je sais pas, je suis pas fan de ce son là. Honnêtement, je suis pas fan. Je sais pas si c'est la production, si c'est la façon dont il chante, mais j'accroche pas à ce son là. Au numéro 4, Brasse au Max. Mal que je traîne, le diable qui m'entraîne. Je pense à des frères qui sont devenus des traînes. Brasse au Max. L'instru elle est lourde, la 808 de l'instru. Oh là là, joli taf sur l'instru. Son numéro 5, petit jaloux featuring Maître Gims. Il est minuit, à ma montre, je sens tout comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelle la crème, que j'avais tout niqué. Petit jaloux, petit jaloux, petit jaloux. Hein, c'est pas mal, j'aime bien le... J'aime bien un peu le délire qu'il y a dans le son. Je trouve que l'instru est bien. J'aime bien les couplets de Lacrim. Le son il est bon dans l'ensemble, mais j'aime pas le refrain de Maître Gims. J'aime pas son refrain. Numéro 6, Marabout. Je construis mon avenir. Des enfants, de l'argent, des apparts. Si c'est mon ami dans la vie, tu as les requins blancs et puis les tapis. Y'a la piscine, pas d'imbécile, ma barre c'est difficile. Allez, niquez vos mères, je suis au bord de la mer, je suis comme au Brésil. Il est lourd ce son. Vraiment, j'aime bien ce son là. L'instru, elle est violente. Et son flow, il est pas mal du tout. Franchement, j'aime bien ce son là. Numéro 7, c'est ma vie. Même sans me voir, tu sais quand je sais. Je t'ai promis l'or, mais je suis dans la mer. C'est ma vie. Montagne de problèmes, c'est ma vie. Rappelote, c'est reparti pour une peine. Tu n'attends plus que je rentre, tu attends mes appels. Parloir, j'ai pour moi, t'auras tout fait. Laver mes affaires, mais serrer fort jusqu'à m'en étouffer. J'aime beaucoup ce son là. C'est vraiment en fait le reflet de sa vie quoi. Entre les problèmes judiciaires et sa vie de famille. Franchement, c'est un bon son. Numéro 8, Kaza. Tant qu'il veut passer les tentes, qui crache sous ma photo. Dis-moi qui me voit comme le loto. J'aime le fils à propre. Oui, je veux m'évader. Oui, je veux. Non, sont là, non, c'est pas possible, non. Lacrim sur des rythmiques un peu house, non, même pas, non. Ça va pas marcher pour Mac Taylor, ça marchera pas pour toi. Je suis désolé, mais là, non. Numéro 9, adieu. Je t'aimais plus que toi. J'ai fait tout ça pour nous. Mais pas tant, pas tous les jours elle disait. Frère, t'en fais trop. L'instru est pas mal, mais je trouve que Lacrim c'est trop auto-tuné. Là, il aurait fait 500 auto-tunes, ça aurait été très lourd. Franchement, l'autotune quand c'est bien géré, franchement, je crache pas dessus. Mais là, c'est trop, franchement, c'est trop. Numéro 10, sur ma mère. Je prends l'attitude, elle aime les caractères. On a l'habitude, faire les bêtises, mon gars, mais c'est sa mère. C'est la mère, sur ma mère, elle avait pas mal, l'instru est sympa, le délire il est bien. Franchement, pour l'instant, mon son préféré c'est Reste Marabout. Numéro 11, En La Calais. Le son, je le dis mal avec l'accent. Featuring Yandel, du groupe Wisin et Yandel. Je
il est lourd ce son. Là, le bon mélange du hip-hop et de la reggaeton, là franchement j'ai kiffé. Le délire il est bon, la prod elle est stylée. Les deux rythmes différents, le rythme reggaeton très classique et le hip-hop bien travaillé avec la rythmique, etc. Lourd. Yandel, j'adore, sa voix m'avait manqué pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce que Yandel fait, j'aime beaucoup ce qu'il faisait par le passé. Et là franchement pareil, la crime, je trouve que ce duo en fait colle vraiment bien. Numéro 12, on y est, featuring SCH, Rimkus et Walid. C'est normal qu'on m'encaisse, je viens de commencer mais je vais les terminer. Si on se pose au studio c'est pas pour une pièce, je vais exploser plus que déterminé. Mais pas de prendre, je rêve. Là où on vit, je crois qu'on est à l'aise. Putain, Rimkus, je suis pas trop fan. La crime, il avait un bon couplet. SCH, comme d'habitude, très bon. Et Walid, c'est la belle surprise. Genou, je sais même pas qu'il agit là. Mais très prometteur. Franchement, bien surpris, très prometteur. Sur numéro 13, on se reverra. L'instru, et en fait je reconnais 2-3 éléments que moi-même j'ai dans mes drum kits. Si c'est bien Cork qui a fait l'instru, je reconnais le kit de Cardiac Flatline. Son numéro 14 et dernier son, du papier de Rimkus. Enfoiré, je suis pas le genre de mec qu'on invite dans les soirées. Tu m'as vu dans ta bouche ce soir, mais pour livrer quoi, ne pas la foirer. C'est la zone, y'a des plantages, des plans bouquets, tant pis pour l'Amazon. Franchement, je préfère Rimkus dans ce son-là que dans On y est. Très très lourd du papier, très très lourd. Bref, c'était mon écoute de Ripro 2 de La Crime. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, je trouve qu'il est carrément mieux que Ripro volume 1. Dans le sens où je trouve que les instrus, même si c'est un peu dans le même style, en fait, je trouve qu'au niveau instrumental, ce volume 2 en fait est un peu plus technique dans la production par rapport au hi-hat. Ou alors à la 808. Après pareil au niveau des featuring, Yandel, très très bon featuring. Le son Enlacal est très très bon. SCH très bon. Walid, très bonne surprise. Et Rimkus, franchement très très bon sur du papier. Maître Gims, je vais pas être trop fan. J'aime bien Maître Gims dans le sens où je trouve que c'est un bon artiste, mais je l'aime pas dans ce son là. Mais sinon, je devrais donner une note à Ripro 2. Ce serait un 4/5. Je trouve qu'il est mieux que Ripro 1. C'est pas un album de rap parfait non plus. Je crois qu'on va donner un 3/5 à Ripro 1. Et franchement, Ripro 2, il est meilleur. Bref, j'espère que vous aimez ma vidéo. N'hésitez pas à commenter vos sons préférés, aimez la vidéo, partagez la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute. Ciao.